Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Mais nous pas perdre du temps, nous commencer. Cool, yeah. Pas toujours le rôle contre le gouvernement. Il y a un gros déséquilibre entre le pouvoir parlement et ça exécutif là et judiciaire. Je n'ai pas besoin de faire aucun rappel. Je n'ai pas aucun exemple sous dérive avec le mauvais bagaille qui est déjà passé. Nous tous connaissons déjà. Je dis, le parlement a trouvé le dysfonctionnel. C'est un mauvais exemple pour la démocratie. Mais c'est une réalité. Qui donc comment le pays a changé pour empêcher sa bagage ça arriver encore. Nous devons poser quelques questions sur l'absence du conseil électoral permanent à cour constitutionnelle. Nous sommes obligés de faire élection sénateur chaque de l'année. Alors que nous comme ça. Élection coûte un peu de l'argent et nous, c'est un petit pays pauvre. Même citoyen. T'as servi nation, peuple là, comme ministre, directeur général, magistrat, ou n'importe fonction qui te fait ordinateur, il n'y a pas qu'à jouer de charge, même s'il était correct dans la gestion. Il est venu un homme qui mourit politiquement. Quelle institution qui utilise la question de charge là pour éliminer tout le monde qui t'a levé un candidat? Ou bien venir retourner ministre. Il n'y a pas qu'à choisir tous les politiques dans un groupe monde parce que je suis d'accord pour servir la République. La Constitution n'a pas qu'à choisir exclure un groupe monde dans les affaires politiques pays, malgré compétences, intégrité, capacité pour contribuer au développement social, politique, économique pays. C'est un contention de justice pour quatre articles de la Constitution 1987 là mettait à côté tout haïtien qui trouvait en dehors du pays. Pendant ce temps, c'est même haïtien dans la diaspora qui a porté le pays sous deux économiquement. Je ne sais pas si c'est seul. Mais il y a un pile d'autres exemples que je n'ai pas capable pour m'expliquer comment il est impossible pour gouverner comme ça doit le pays. Pour une stabilité qui est le premier bagage d'un pays doit gagner s'il veut développer socialement, politiquement et économiquement. Je dis à tout le monde d'accord qu'il est le temps pour nous lancer projet changement dans notre pays. Qui ces affaires chaque grand haïtien, quel table vivre dans le pays, quel table vivre dans le bloc, changer maman roi pays, ce n'est pas affaire président Jovenel Moïse qui a cherché un intérêt personnel, un intérêt électoral, j'en sais toujours comme fait. Ma paix un engagement solennel. Je dis, devant tout haïtien, cap tandem, cap gardem dans le moment, devant le monde entier, pour me répéter bien fort. Ne pas m'en déchanger la constitution pour moi, ajouter aucun avantage. Ne pas prendre le candidat dans l'élection cap venue. Élection qui t'a supposé faire après, la constitution vient de changer. Je voulais t'en coûter tout le monde. Tout haïtien qui est un pays, mettez Haïti sur votre changement tout bon vous. Pour nous finir avec exclusion politique, pour une stabilité politique, sociale et économique. Le pays a mérité une constitution moderne qui est adaptée à l'exigence, à défi captain de nation dans le 21e siècle, pendant la conserver tout bel héritage démocratique. Constitution 1987 là, c'est bon. Nouveau constitution ça,
de adapter à un réseau de distribution électrique zone métropolitaine. Maintenant, ces constructions, nous connaissons bien, c'est dans le bicentenaire, en face, ancien casino. Ligne de distribution, ça, disons ligne de transport, je veux dire, ligne là pour bah, toute zone métropolitaine, non? La grande zone métropolitaine qui va sortir de Bois Neuf pour aller au Cam. C'est une sous-station, et sous-station, ça, c'est extrêmement important pour nous. C'est lui-même qui va la alimenter la cité administrative. Là. Ça veut dire que nous sommes là aujourd'hui. Hein? Nous allons visiter sous-station, ça, pour moi. Pour moi qui l'a, parce que ça fait 7, disons 6 semaines depuis que je suis en bas, disons, oui, 6 semaines, j'ai besoin de su pour moi travailler à avancer pour moi la jeune. Après constat qui est une carte échéance sur le travail ça, vous disposez en termes d'électrification de zone. Moi crois que travailler pour aller un petit peu là pour moi, pour ça moi, pour faire constat que je fais. Mais là, je parle avec technicien, responsable, ingénieur responsable des chantiers, pour expliquer mes raisons. Et c'est pour ça que je demande pour le ministre, parce que ça m'a avec moi. Je vais faire une réunion pressée, avec ni équipe supervision, ni équipe qui a même fait exécution, pour avoir une harmonisation qui peut permettre que l'entente soit bien un travail aller plus vite. Mais normalement, comme nous connaissons, c'est le travail qui est supposé remettre entre 15 et 18 mois. Mais nous parlons de bataille, c'est ça même. Pour accélérer, pour nous reste 6 zones métropolitaines. Sous-station par là, même dit ça, la cité administrative, si sous-station par là, est capable de finir construire en vent. Parce que notre travail. C'est une question de sécurité, là, pour les machines pas plus. Je crois que le problème, ce n'est pas un problème. Les machines qui pour les emplois, sont belles questions, on va dire. Ce n'est pas un problème, plaque paye, c'est un problème nous. Parce que qui est-ce qui l'a pour faire plaque? Vous d'accord avec moi, c'est nous. Maintenant, je pense que le pays, ça veut dire, il faut chaque nous. Parce que l'homme dit, par exemple, hier, non, adresse à la nation, on va aller dans l'état pays de souci, dans l'état prédateur, c'est l'état, ça c'est l'homme de changer. Nous voulons permettre que l'état soit au service des citoyens. Pas de aucune raison. Pour payer pour pas pour gagner plaque aujourd'hui. Ça veut dire payer il n'y a pas de plaque, il n'y a pas de monde. Et c'est pour ça que nous, comme chef d'État, garant de la bonne marche des institutions, problème ça va résoudre. Mais c'est ça, c'est 16e année, président. Nous répondons, mais dis-nous que pas de problème plaque. Pas de problème monde. Ça veut dire, si tu as un problème plaque, ou pas de cadine, il y a des gens qui l'a pour ça, qui pour faire payer à une plaque et puis pas une plaque. Parce que le président, ce n'est pas l'éclat. Pour faire tout le bagage. Il n'y a pas fait travail. Le président, comme garant de la bonne marche des institutions, il est là pour prendre des décisions qui s'imposent. Mais en fait, plaque, ça m'a dit peu pas ici. Je dis à me profiter des questions ça. Que madame ou demoiselle. Je vais vous proposer maintenant pour nous répondre au peuple là que nous allons travailler pour nous connaître ce que fait le pays, ce que fait le gagner plat. Parce que ça a une semaine que moi-même m'ai informé et que si moi même nous aujourd'hui en amène. Président Jovenel, ça me dit tout le monde. Et quelques membres du secteur politique et global radical. Et à cause de la vôtre, on a se battu pour le contrôle notamment. Et qui s'accueille dans l'avancée de ce ça a provoqué les membres du secteur politique de manière radicale, monsieur le président. Pour me répondre, bonne finale avec la question de la pour me dire que le problème de la profiter de la question ça pour me répondre au peuple là, pour me dire que nous travaillons et nous avons des autorités concernées pour venir parler, pour dire au peuple là exactement qui le peuple doit parler. Parce que c'est vrai autorité concernée au ça. Je parle là pour eux, tout le temps c'est premier ministre pour eux, tout le temps c'est président pour eux. Il faut que les gens qui ont fait travail autour, ils ne viennent pas à la peuple. Ça veut dire, prochainement, l'homme dit ça, non, je ne viens pas. Je dis ça maintenant, l'autorité concernée, pour venir parler avec le peuple, pour dire qu'il leur pays a bien plaque et pour qu'ils aient tout fait pas bien plaque. Là, ça va toujours une réponse à la question, madame Lotte. Pour question pour là, ma bzou. Je ne veux pas mettre l'adjectif derrière l'opposition pour me parler de radical. Pas qu'on paye dans Haïti, nous sommes capables de gagner. Nous parler de radicalisation, nous la donnons.
Je pense que depuis le mois de Saline aujourd'hui, un bon saut qualitatif que nous n'avons jamais fait dans sa relève. Nous vivons à l'autre là. Nous toujours aller dans la confrontation. Et c'est ça qui veut la réunion. De campagne électorale, moi je dis, nous faisons confrontation je dis, avec Fremchem qui est en opposition pour la politique. Ça cause moi fait 22 mois dans la campagne. Confrontation encore continue à faire. Ça fait 3 ans, 8 mois et quelques jours, nous faisons un constat, mon mandat 5 ans, il y a 12 ans. La confrontation, nous avons un accord. Mais qui est-ce qui perd le ça? C'est le peuple. C'est pour ça que je dis moi-même, je prends un bâton pour les mêmes et je profite de l'occasion, je profite de questions pour là, pour me répondre à tout le peuple ici. Question ça pour me dire, non seulement je ne parle pas avec nous, mais nous pas même dans l'autre choix. Nous n'avons pas un autre, mais nous n'avons pas un autre. Nous n'avons pas deux choix, nous n'avons pas un seul choix. Un choix pour nous tous, pour nous mettre ensemble, pour nous tirer pour nous saluer. Parce que même quand nous vous dire, expérience, moi, c'est peut-être pas expérience pas nous, parce que nous disons, c'est un seul président pays à gagner. Même dans volcan, nous quand on a dit non dans volcan, nous-mêmes nous avons senti chaleur de votre travail, mais même maintenant. Ça veut dire, du feu ça arrive dans le moment où nous éteignons. Et pas que les jeunes qui éteignent, c'est nous-mêmes ensemble qui pouvons éteindre. Nous ne parlons pas de l'homme qui était président. Notre président a montré à vous même malade encore. Mais vous voulez vous dire, pour que vous tête qui jeune, même si il n'y a pas de jeune à 100% général. Mais nous qui voulons, pour nous chiter pour nous faire pour le peuple, parce que ça me dit, répondre à la question, non, pas la grave avant tout. Cette division, pas de quel côté nous avons la pays comme ça. Président Jovenel Moïse, non pas monsieur, réforme constitutionnelle au Balais, c'est pas réforme constitutionnelle pour Jovenel Moïse. Jovenel Moïse n'a pas pour la faire, réforme constitutionnelle. Réforme constitutionnelle là, son constat que lié, 34 ans après, nous disons, pays ça, l'ingouvernable, c'est un constat que nous faisons. Président Jovenel Moïse, c'est ingouvernable avec la constitution ça. C'est pour ça moi-même, je prends courage, moi parler à télévision radio hier, je dis que le pays est ingouvernable. Ingouvernable à la constitution ça, et nous dit tout le monde, intellectuel, vous savez que le pays a, mettez-moi, fait peuple à cadeau ça. Pour nous dire peuple là, ballon un document qu'elle comprenne, qu'elle carré, ça relève en constitution. À ce moment-là, peuple c'est lui-même qui a le dernier mot. C'est si lui voulait voter pour la constitution, la voter. S'il ne voulait tout, lui va dire non. À ce moment-là, seul bagage tout, on a bien à respecter la volonté de la population. Président Chauvel, je vais tout porter précision ça pour la population. Il y en a bien sur la nation, on parlait de constitution, son étape qui peut franchir avant l'élection. Est-ce que ça veut dire si le pays n'a pas arrivé à doter de nouvelles constitutions, l'élection n'est pas faite pour ça? Non mais attends, démocratie vis à l'île. Démocratie c'est pluraliste et politique c'est alternance. Mandat ma fille, ça veut dire élection est obligatoire. Pas que vous ne pouvez pas faire l'élection. Ça veut dire même si vous avez dit, c'est le peuple qui a un mandat. Il faut mettre le peuple à mandat. Seul j'aime d'avoir remettre l'île, c'est pour me balayer la possibilité pour dire mais qui nous dit nous. Mais moi-même, je m'encourage demain pour me dire aujourd'hui que le pays, c'est un plus bon bagage qui est arrivé au pays. Si l'élite, t'es à mettre tête ensemble, nous parlons d'élite économique, élite politique, élite intellectuelle, t'es à mettre tête ensemble pour nous capables de doter le pays de nouvelles constitutions et sous égide de nouvelles constitutions, nous avons gagné l'élection. Mais si le peuple n'a pas voté, nouvelle constitution, élection tête bloc, peuple a voté, élection tête bloc, parce que l'élection, c'est passage obligé pour renouveler personnel politique. C'est le team, libre et sain, libre et clair comme le coq, et libre qu'à appliquer facilement, libre permettre que le pays a gouverné facilement, sans pas de collision entre trois pouvoirs l'État. Pour voir l'État, il doit y avoir un équilibre entre eux. Un document que tout le monde doit connaître qui ça qui la donne. Tout secteur en un pays doit avoir 10 ans. En grand monde,
à travers des forces organisées sur tout territoire république là. Et puis, le peuple a bien pour décider dans le référendum si oui ou non il est d'accord avec la nouvelle constitution. Ça. Si le peuple a dit oui dans le référendum, l'élection qui vient pour organiser est faite avec la nouvelle constitution. Ça. Mais pour ça possible, il faut que tout acteur décide en temps de sous qui puis nos manières de faire. On a parlé avec tout le monde, des politiques, des religieux, de la société civile, associations professionnelles, de l'élite économique pays, de la diaspora, pour nous jouer un consensus sur un tout ça. Tout de suite après la Constitution, gros chantier qu'a tenu nous, c'est l'élection. Tout pays qui choisit la démocratie comme modèle de gouvernance connaît très bien que c'est une élection, le peuple a dit qui est signé, qui peut diriger. Ça veut dire, comme président pays, nous gagnons responsabilité pour travailler à tout secteur, surtout parti politique pour une élection possible. Comme ça, on n'a pas renouvelé le personnel politique là, de passer ma tête là, par un président élu constitutionnellement. Pouvoir, c'est le peuple là qui est dans nous. Nous voulons offrir au peuple la possibilité pour dire qui est ce livre pour diriger après 7 février 2022. Le prochain président doit sortir dans une élection libre, honnête, démocratique, inclusif et transparent. Nous voulons pour tout le monde clair sur ça. Nous mettons dans le budget 2020-2021 l'argent pour organiser le référendum avec l'élection dans le pays. Nous mettons l'argent pour la police acheter un peu d'équipement matériel pour la sécurité dans l'élection. Nous demandons depuis jeudi, pour tout acteur qui toujours dit que c'est démocrate, pour montrer la nation que c'est ça qui est vrai. L'élection, toujours gagner, il y a un monde qui gagne et il y a un monde qui perd. L'élection, toujours gagner, parti qui gagne, parti qui perd. Tout le monde, tout parti en même temps, pas qu'à président, ni pas qu'à bail président. Tout le monde en même temps, pas qu'à sénateur, député, magistrat, kazek, azek. Si vous voulez le président, sénateur, député, kazek, azek, vous devez monter programme, convaincre le peuple pour voter pour vous. C'est comme ça que ça fait notre démocratie. Tout notre chemin découpé pour arriver sous pouvoir a violé toute règle et principe démocratique. Démocratie a des règles et principes que nous devons respecter. Nous ne devons pas respecter règles et principes, c'est anarchie, c'est violence, c'est insécurité, c'est instabilité qui a. Et c'est ça qu'on a fait depuis l'indépendance, jour, qui résultat? Nous tout ouel. Une instabilité qui crée misère, malcité, division, raïssement. Nous invitons nous prendre une autre direction avec le pays. C'est pour chaque monde qui fait des voiles. Pour te roche par la construction de la démocratie. Mais bas et jeunesse là, bonjour direction. Bonjour exemple pour demain nous. Le cas de nos pays qui est meilleur que ça nous veut dire. Nous voulons consacrer toute force, toute énergie, toute volonté pour le pays qui vivre dans la paix, dans l'unité, dans le progrès, dans la stabilité. Nous ne pouvons jamais suspendre nous-mêmes tout le monde qui veut transformer l'État corrompu. L'État pesé sous ses. L'État prédateur ça. Pour venir l'État serviteur. Voilà l'État qui a défendu à chaque bon haïtien. Ni ça qui fait mieux, tant que ça qui fait. Ni ça qui pire riche, tant que ça qui pire pauvre. Ni ça qui a vivre la ville, tant que ça qui a vivre loin, 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 loin. Voilà l'État qui doit défendre la diaspora,
qui se moteur économique pays. Nous ne pouvons pas rater une autre fois encore sous aucun prétexte l'occasion pour nous chita ensemble à l'ébord une table pour nous prendre une décision qui est plus bonne pour la nation. Nous ne pouvons pas gagner un perdant, nous ne pouvons pas gagner un gagnant. Chaque fois, c'est un seul monde ou bien un seul groupe de monde qui est. C'est le pays qui perd. Mais l'homme tout gagne, c'est le pays qui gagne. Avenir pays dépend de décisions tout ensemble à point. Moi-même, comme président pays, pour gouverner ma gouverne, avec un système pesé sur ce qui l'a depuis 10-20 ans, pour me corriger ça que je veux corriger, pour me changer ça que je veux changer. Chaque fois nous faisons résoudre un problème, nous constatons malheureusement qu'il y a un autre qui paraît. Nous avons des cris familiaux qui ont souffert en bas problème de sécurité. Le problème, c'est qu'il y a un ravage de société. Je veux dire, les clés, le peuple a demandé la sécurité. C'est pour toute autorité concernée, pour la responsabilité. Tout le monde qui a touché l'argent de l'État, tout le monde, pour mettre main, pour ne pas trop longtemps, problème de sécurité, ça, le résoudre. C'est pour nous faire tout ça possible, pour nous donner la population satisfaction. C'est pour ça, nous, là, c'est pour ça, peuple a payé, nous. Secrétaire d'État, délégué, vice-délégué, magistrat, kazek, policier, tout gros autobus dans l'État qui l'a pour la sécurité, mettez pied nous à terre ensemble avec la population pour résoudre le problème de sécurité. On choisit de sauver le pays, on choisit de construire le pays sous base de modernité, de stabilité. C'est la seule condition qui va permettre de prendre un changement tout de nouveau. Nous avons mené nous dans le chemin de croissance économique à création de richesse. Nous avons mené nous dans la paix, le progrès et la prospérité. Nous avons trop de choses. Je dis, on nous fait un coup à coup de fraternel historique. Pour nous étonner le monde entier, peuple a bouqué à gagner la division. Quel que soit ça, on a gagné avec nous, ici par eux. Mais sous côté, pour nous faire une chaîne de solidarité qui pourra permettre nous d'épargner le pays, nous, pays nous en pile là, de catastrophes sociales, politiques et économiques. Merci un peu. Que bon Dieu tout-puissant, une sagesse, béni Haïti. Aïe Bobo Haïti. De femmes réelles, c'est la liste de la liste comme Victor Barrelini. Nous avons profité pour nous parler à la première maintenant avec le premier ministre. Le premier dame de l'Église, ministre de l'Église, m'a dit que nous sommes vraiment pauvres. Parce que nous n'avons absolument rien qui vient pour être matériel. Non, il n'y a pas gagné le matériel du tout, ni pour le travail, ni pour le travail,
nous besoin de sortir de la BOBES, mais il n'y a pas gagné aucun matériel du tout qui a un rapport à sortir. Côté nous est là, sous terrain chansonnement, depuis tout le monde, depuis le football mondial, première dame m'a demandé, nous avons une équipe chansonnement qui m'a donné 20 divisions. À cause d'assistance, nous n'avons pas gagné, financement. L'équipe a traversé une mauvaise période dans le moment où il est là. Et je viens, nous en face de la dame. L'équipe a l'air pour le nouveau monde lundi. C'est ma mère Siximan, il va nous. Cela me dit que si vous comptez, il est monté, vous savez, il est votre nouveau aller là, il est déjà fatigué, il est perdu. Première dame, nous demandons ça à nos folies. Nous avons besoin d'un bis, le mini-bis, l'équipe là. Car nous avons soulagement. Et côté nous là, nous avons aimé, puisque l'équipe est dans la deuxième division, nous avons aimé nous mettre le terrain en standard. Et nous avons aimé nous mettre le terrain en malgré le cahier de l'OSLA là, guérillon pour nous chaque. Mais moi-même, j'ai gagné un peu de problème à traverser la commune. Nous avons un commissariat chasseur qui mettait le service. Mais c'est bien malheureux, il n'y a pas de bonne machine qui va monter dans la section communale. Tout dernièrement, il y a des barrages qui causent en haut à la côté, comme ça, il y a chassé le métier sur 4 bandits. Mais il y a eu des faits à la station, mais c'est avec un peu de difficulté parce qu'il n'y a pas de bonne machine là. Si vous avez un problème qui a passé le sommet là, bon, bien, Dion, si je veux voir, alors c'est temps de n'attendre, il n'y a pas faire aucune information. Alors, premier ministre, ou la Jodina. Alors, l'État, monsieur a fait l'exécutif l'État, nous avons l'État accompagné nous, nous-mêmes pour nous donner l'État à l'État parce que nous sommes jeunes garçons, et nous condamnons pour nous travailler avec tête, et nous voulons collaborer avec tête. Pendant ma parole avec vous là, il y a un problème de tête quand jusqu'à nos viols. Et nous pensons, monsieur Seigneur, nous voulons sur notre endroit, nous communément, nous féliciter en ville. Et première dame dans ma ville, directeur Seigneur Moua, me féliciter en tant que jeune garçon pour bien vous malgré. Le général Adam, me féliciter nous. Je dis, il est très difficile pour mon absolu chanson, pour ne pas presque arriver dans le parce que la presque arriver dans deux dimanches pour presque arriver à nous. Donc, il pensait, je dis, c'est la chance de nous gagner pour nous faire sur le premier dame. Tout que pour nous poser des problèmes communes dans la barre. Et pour commune la malade en pile, nous guérons bien par mon vie tout pour vivre mon vieil, jusqu'à présent, c'est une difficulté. Et nous guérons une troisième section, qui m'a guéri vie tout, nous verrons plus l'intervention dans le PPTC. Moi, aller chaque jour, je mettre une demande pour mon matériel seulement pour nous traverser, il va jamais faire l'intervention. Je dis encore moi en face premier ministre, en tant que bâtisse de la commune, j'en forme, et je dis à cette femme rurale, me féliciter premièrement parce qu'elle choisit commune. Ça pousse va, bail se vaille, vous êtes membre de travail avec nous, bail côté pour passer du travail. Mais me féliciter chef l'État, parce que moi, mon droit sera sur notre changement. Et ça pour lire ma balle, mais ça pour peuple, c'est lui qui va nous faire la paix. Parce que je viens, si nous la cacapé là, je viens pour nous parler en face de Dieu, c'est parce qu'il y a une petite commune. Et nous voulons, je viens pour collaborer. Nous gagnons un essence là avec nous, c'est Bissap, qui sont supposés d'être quelqu'un avant. Premièrement, le Dieu t'a nommé vraiment pour d'abord collaborer à son peuple. Mais on pense quand même après, il va faire pour t'attendre. Donc, nous gagnons, nous avons un problème à traverser dans la commune. Nous pas gagné ça électricité dans la commune. Malgré nous faire toutes les inventions, nous avons mis pour nous garder pour nous, mais jusqu'à présent, nous n'avons gagné aucun en rien qui fait. Alors, moi chargez nous, toutes les choses à eux, à leur côté, pour y aller, pour nous garder comme ma commune, car au moins, prenons l'autre direction. De ce fait, moi-même, je suis prêt pour collaborer avec toute section communale, comme toute casette. Je suis toujours élu, je m'en dis, qui va bien m'aider, même laisser avec zone, je suis prêt pour m'aider parce que c'est politique ma faire. Si chef d'État choisit de m'aider pour
magistrat fembaï service en tant que magistrat. Donc c'est ça fait que moi félicite premièrement encore parce qu'elle choisit comme une chanson pour participer ça à une fête. Le 15 octobre qui journée internationale, Femme Rurale. Mais comme nous connaissons chef de l'État pays, Excellence Jovenel Moïse, quelque papa qui mourit. Donc nous tous, nous sommes obligés de renvoyer la cérémonie ça pour aujourd'hui. Et m'a profité de l'occasion ça encore pour me présenter la famille présidentielle, Excellence Jovenel Moïse, avec madame, première dame Namassine Moïse, condoléances. Nous connaissons nous même en pile, nous avec nous dans l'affliction sale. C'est à campir complètement. Nous ici la jeudi à Nambion, qui c'est première section communale Chansol, pour nous capables de commémorer journée internationale Femme Rurale. Donc, 15 octobre là, il y a une pile d'importance pour nous-mêmes sur la terre. Ça veut dire, dans tout pays qui est sur la terre, journée ça consacrée pour toute femme qui vit dans la zone rurale. Depuis la quatrième conférence sur femmes dans Beijing, dans le pays de la Chine, l'Organisation des Nations Unies, que rencontré avec plusieurs femmes partout dans le monde qui te choisi date ça 15 octobre en 1997 pour être capable de célébrer une journée comme ça pour femmes. Journée ça grand pile importance parce que sans femmes pas de développement dans le pays, dans aucun pays sur la terre. Femmes c'est poteau mitant et n'a toujours été poteau mitant. Dans l'année 2007, l'Assemblée des Nations Unies a été adoptée une résolution pour consacrer la journée ça. Et depuis les ça, c'est une journée officielle que tout le monde sur la terre, toute organisation sur la terre, tout l'État sur la terre doit commémorer la question agriculture, la développer les zones rurales, contribuer pour les gens manger, et puis tout, on va être bon gens coûte de façon pour réduire la pauvreté pour la question communautaire. Organisation des Nations Unies m'a dit tout pays sur la terre qui donc dirigeant yo, pour yon bail plus d'importance à femmes qui vivent dans la zone rurale. Yo. Parce que femmes ça yo, c'est pour tout mettre en pays, ya, sans yo, la fête à tirer nous parce que sans pile c'est parce que majorité de femmes qui sont dans le pays, ya, c'est famille monoparentale. Ça veut dire que c'est le seul qui peut garder le foyer qui fait éducation de mon yo, que les petites filles, que les petits garçons. Qui t'en profite, dis-nous. Situation femme qui vivent dans la place dans le pays, ya, son gros coup lié. N'oubliez que la majorité des gens dans le milieu rural, c'est dans la place à vivre. Et c'est pour ça que je m'a profité de tout ça aujourd'hui, que je dépose un projet de décret dans le bureau là, pour que je transporte pour nous, pour le président faire décret ça sorti pour nous. Parce que c'est 18% seulement de femmes qui sont mariées dans le pays d'Haïti. Toutes femmes qui sont mariées, la majorité de la vie de tout, c'est placé au placé. Et le problème qui est dans la question de placage là, et EPM, les premières dames dans tout. Le monsieur avec mesdames, ils font 20 ans d'être ensemble. Ils font bien ensemble. Dès qu'ils ont séparé ces familles, monsieur qui prend tout bien, ils font aller demain, balancer demain de tout. La journée internationale Femme Rurale, je m'a demandé au Premier ministre à la première dame de la question ça. Parce que
Nous connaissons le pays d'Haïti qui a pile l'hypocrisie là-dedans. Je parle de dire, je parle de faire des racontes, des soins, mais c'est la majorité qui vit dans la population qui est comme ça. Si la majorité vit dans la population comme ça, il faut nous prendre des dispositions pour nous retirer de là-dedans, pour nous mettre nous en sécurité. Donc nous présentons une question, un autre projet de loi et de décret, c'est sous violence qu'a fait sous femme. Le ministère a été pris au décret déjà en 2006, mais qu'on y a là, nous avons encore qui renforce, qui va renforcer l'autre là. Plus loi organique ministère que nous mettons, tant pour souple, notre prochain conseil ministre, dégagez-nous, nous comptons sur nous pour que nous passions avec soutien. Nous. Merci à vous. Donc, il y a un autre bon. Mesdames, yo. Dans la journée internationale, il y a besoin d'infrastructures jam. Nous besoin de faire accès dans le service de l'État. Comme dans la question de protection, donc on va pas protéger. Donc c'est ça même que nous gagnons pour nous faire, pour nous faire pour capable venir vraiment égaler beau avec garçon. Nous gagnons pour nous préciser pour tout le monde. Là, nous disons femme égale à garçon. Ce n'est pas femme vient tourner garçon. Femme après femme, garçon après garçon, jusqu'à ce que la terre baronne, si la terre a transformé ou bien baronne. Nous avons toujours été femme a toujours été femme, garçon a toujours été garçon. Mais c'est dans le droit. Pour que si un garçon à l'école, à l'aise après l'école, il va jouer le monde, c'est qu'il a déjà soumis dans la route. Quand il y a capable de faire l'école pour jeune garçon, va faire et qu'il a déjà soumis dans la route tout. Si il y a l'école pour petit garçon, c'est pour que l'école pour petit fille dans le même genre. D'accord? Pour petit fille, quand il y a garçon qui va occuper de grands postes, d'une premier ministre, d'une président, d'une première dame, d'une ministre, environnement, etc. Donc c'est dans ce sens-là que nous parlons d'égalité femme à garçon, c'est dans le droit. Si femme gagne droit pour manger, garçon gagne droit pour manger. Si femme gagne droit pour aller à l'école, garçon gagne droit pour aller à l'école. Si femme gagne droit santé, garçon gagne droit santé. Ça veut dire que c'est sacré les gens, même que nous-mêmes, nous pas pouvons faire division pour petit garçon dans la dent. Garçon à femme, c'est poisson, crasé, nous bouillon. Donc il n'y a pas qu'à retirer l'autre, donc c'est pour nous mettre ensemble, pour nous capables de vivre ensemble. Femme paysan, c'est pour le développement pays. C'est sous thème ça, la commémoration officiellement journée internationale ça en ambiance qui c'est deuxième section, première section communale chanson. Nous faisons activité ça ici là, de façon pour nous reconnaître qualité, gros travail, femme dans zone ça réalisé déjà. Nous sommes trois, nous sommes présentés, nous qui sommes mesdames avec manchette, yo, à couler, à frapper, donc mesdames, c'est femme pour en être. N'a pas de tout le monde qui n'en foule là, battre un gros bravo pour toute femme dans le temps chansol jodi. Avec respect pour nous toutes. Présence nous ici là, vous dit tout. L'État pays qui gagne en tête le président de la République, là, Jovenel Moïse, avec chaque gouvernement, M. Joseph Jout, comprend la nécessité pour travailler bon côté nous. Pour travailler pour nous, dans l'idée pour changer les conditions de la vie nous et puis respecter les droits nous. Maintenant, aujourd'hui, moi choisi de venir sur le sol pour deux raisons. Premièrement, c'est pour la première dame, non? Devrait première dame dans venir sur le dia parce que première dame dans fête dans son sol dans deuxième section comme femme paysan comme femme rurale et moi même moi fête dans une section communale qui est le camp Louise première section à Cul du Nord avec dit que nous même nous venons présenter une sorte de symbole pour toute jeune fille qui l'a pour toute jeune femme qui l'a pas décourager goumen rete l'école parce que l'école là c'est ni cap mais non côté d'où doit arriver à ministère conditions femme à droit femme NKFDF honneur et mérite madame Martine Moïse une femme paysan qui travaille dit
pour le développement communautaire. En Dobresse, 15 octobre 2020. C'est à connaître, ma première tout plaque ça, première dame. Donc, on connaît que vous avez 100 ans qui passent dans le ministère et que, qui apprécie en pile, qui remont en pile, qui est là avec nous, à la vie. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.